Et salut tous les étrangers, je vous salue, c'est super, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 20, donc je vais vous parler de Jamie Vardy qui est sorti du coup dans les SBC. Il est sorti quand il est sorti moi je tourne cette vidéo il y a 2 jours, je crois. Du coup, vous la verrez, je sais pas. Donc, je vais vous parler un peu de sa carte, de est-ce que je trouve intéressant de le faire ou pas. Et ensuite, on va le tester un petit peu en match, sachant que j'ai fait pour l'instant 0 partie avec lui, donc ça va être une découverte pour moi aussi. Donc déjà rien que sa carte comme ça, on peut voir déjà directement ce qui est, je vais dire un peu bof, c'est ses étoiles. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, c'est vrai que ça peut être un peu limite pour un joueur offensif. Après sinon sa carte en elle-même, elle est vraiment pas mal du tout. 92 de vitesse, c'est vraiment super bien. 82 de dribble, ça va. 85 de tir, ça va, c'est une bonne finition aussi. 69 de passe, là c'est moyen. 62 défense, bah, pour un BU c'est bien, mais bon en vrai tu t'en sers pas trop du coup, donc il aurait pu avoir 20, ça aurait été à peu près pareil. Et 79 de physique, sachant qu'il a 92 de vitesse, c'est vraiment pas mal aussi. Et il fait 1m79, voilà. Donc maintenant il est droitier aussi, excusez-moi de... je l'ai pas précisé. Donc maintenant la carte est un peu détaillée, déjà rien comme ça on voit qu'il y a beaucoup de vert. Voilà, donc il y a un seul rouge, c'est passe longue, sinon il y a quelques jaunes et tout, mais bon c'est surtout en défense. En passe et en frappe tir de loin il a que 67. Donc c'est pas ouf, mais bon en général avec un joueur comme Vardy c'est pas trop les longs shoots contentes. Après au niveau des passes, en vrai c'est pas si dégueu que ça, parce que passe courte il a 71, centre 72. Donc voilà quoi, centre ça sert pas trop, mais bon passe courte 71. Finalement ça va encore, parce que c'est après c'est des passes longues qu'il sait pas faire. Et après c'est précision coup franc, genre voilà, ça après précision coup franc, ça on s'en fout un peu. Après en frappe, franchement en frappe, 89 de finition, donc comme je vous ai dit, franchement, c'est un tueur devant les buts, quoi, il doit pas louper beaucoup de frappes. Et sinon après, je vous laisse un peu voir, 83 d'endurance, c'est correct, 91 en agressivité, ça c'est super. Et voilà quoi, après il a une autre carte. Hein. Donc, est-ce que je vous conseille du coup de le faire ou pas? Non, moi, je vous conseillerais de le faire quand même. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà, moi je l'ai eu pour moins de 30 000 crédits, environ 25 000 crédits. Un joueur comme ça, franchement, 25 000 crédits, on prend. Et ensuite, là vous pouvez voir qu'en fait, j'ai fini le passe de combat, du coup j'ai eu Wilfried Zaha. Donc là, j'hésitais à le faire, je me suis dit, est-ce que vu Zaha, je le fais, ou pas? Parce que, voilà quoi, je me suis cassé le cul, on va dire, pour avoir Zaha. Donc voilà, si je me sers pas de Zaha, ça va être un peu un problème. Mais bon, après je me suis dit, finalement quand même, je vais le faire. Et au moins, je le teste et après je verrai. Parce que, après, quand on parle des cartes comme ça, en vrai, c'est très serré. Hein, parce que, regardez là, Vardy, il est meilleur en tir, en défense et en physique. Et Zaha, il est meilleur en vitesse, mais que d'un petit point. En passe, il est largement meilleur et en dribble aussi. Et sachant que Zaha a 4 et 5 étoiles, non? Non, 3 et 5. Ok, donc voilà, donc on va voir, de toute façon, je vais le tester avec vous, mais bon, déjà, je vous conseille le truc, si vous n'avez pas réussi à avoir Zaha, non, ou vous n'avez pas fini le pass, vous avez pris un autre joueur, je vous conseille de faire Vardy, parce que vous en servirez, je pense que vraiment vous allez adorer. Après par contre, si vous avez Zaha, franchement, posez-vous la question, parce que moi du coup, là, je suis bien en crédit, comme vous pouvez voir, 300 000 crédits, donc je me suis dit, c'est bon, voilà quoi, genre, j'ai le budget pour me le faire, je vais pas me priver quoi. Mais bon, vous après si vous êtes un peu limite en termes de crédit, ben franchement posez-vous la question. Voilà, donc là on va partir pour le premier match du coup avec cette équipe. Bon, les joueurs sont pas au top de leur forme, mais bon, c'est pas grave. Donc on va faire un ou deux matchs, sachant que c'est mon premier match de la journée, donc je sais pas si je vais être vraiment très très chaud ou pas. Mais ouais, on va... Ah voilà, ben lui aussi il l'a fait au moins. Vous pourrez voir vraiment deux Jamie Vardy. T'es, il a une bonne petite équipe. Donc je vais faire le Futchamp là, après je vais enchaîner sur le Futchamp. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un recap Futchamp en vidéo ou pas.
Parce que voilà, en vrai, ça m'intéresserait de le faire, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail, donc si vous êtes chaud, je vais le faire, mais si vous êtes pas chaud, ben voilà, je vais pas prendre des heures de travail pour au final que ça vous intéresse pas tant que ça. Oh là là, Vardy, déjà. Ça, c'est les 60 en défense, et en vrai, là, ça a servi. Oula, oula. Je suis pas chaud, les gars, je vous ai dit. Bon, oh là là! Les gars, c'est pas fantastique! Oh là là, c'est l'adversaire qui engage. Vardy récupère la balle, écrit l'action et il finit. Oh là là. Il commence très très fort, le petit Jamie Vardy, les gars. Il n'a pas tremblé. Pied droit, deuxième poteau. Ça passe. Mais je sais pas du tout si je vais vous mettre le match en intégralité ou que quelques occasions. Ça, je verrai au montage en fonction du temps que la vidéo met et tout. J'essaie de pas faire un truc trop trop long non plus. Donc, si je fais deux matchs, je mettrai que des actions. Oula, faut revenir à Alonso. Putain, son Vardy, il est pas mal aussi. Bien joué, Alisson. Donc, franchement, aussi pour mon futur champion, là, du coup, je me posais la question. Donc, voilà. Je sais pas si la vidéo je la sors aujourd'hui ou pas. Si je la sors aujourd'hui. Du coup, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous me conseillez. Parce que je sais pas du tout si le futur champion, du coup, je vais le jouer avec Vardy titulaire ou Zaha titulaire. Moi, je pensais faire un truc parce que vu que Vardy a plus d'endurance que Zaha, mettre Vardy titulaire et au pire, en cours de match, je fais rentrer Zaha. Et voilà, putain, mais regardez ça. Même son Vardy, il est bon. Bon, 1 et 1, 2 buts de Vardy. Putain, ça commence fort, hein. Regardez. Ah. Ok, il a pas laissé, bon, c'est pas grave. Oh, Vardy. Ouh. Dommage. Bien joué, Laporte. Laporte très solide comme défenseur central. Oh là là, Vardy! Oh là 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 là! Vardy, il tire du gauche en plus, je crois. Oh là là! Putain, il est pas trop fort ce joueur, regardez-moi cette vitesse! Oh là 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 là! Ah ouais, du gauche, hein! Oh là là! Clean! Clean, clean, clean! Allez, Alisson, rentre chez toi! Putain, je suis content, hein, premier match de la journée, premier match avec Vardy aussi! 2 buts à 1, doublé de Vardy. 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 Vardy, on tente. Ouh. Ça, c'est un peu normal que je l'ai pas mis celle-là. Si j'avais mis ce tir angle fermé et tout, Vardy, c'était vraiment un dieu. Aïe, aïe, Socratis s'est trouvé. Ah ouais, c'était ma faute. Bien joué, lui. Allez, non. Allez, d'où il est hors jeu, là, putain. Oh, bien joué. Bel effort. Allez, vas-y. Ah non, Ozil, dommage. Ah, dommage. Bon, deux partout. Doublé de Vardy. On a pu voir franchement qu'il était bon. Très bon finisseur. Après, on a eu que deux occasions avec Vardy. Bon, il y en a peut-être une ou deux que j'ai un peu mangé, mais bon, c'est pas la faute du joueur. Voilà, Vardy. On a vu Vardy homme du match, 9,3 de notes. Écoutez, c'est propre. Non, voilà, ça va être tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un peu éclairé si je vous conseille de faire Vardy ou pas. Donc bien sûr, je vous le conseille, à part si vous avez voulu Fritza, que là, vous pouvez vous poser la question. Mais sinon, franchement, faites-le les yeux fermés, vous serez pas déçus. Mais sur ce, les gars, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.